Yo les potes, on est parti pour une petite game et on va tenter le rap game. Non, je déconne. Allez, on est parti, on va jouer Diana Jungle, écoutez. Diana Jungle, c'est assez sympa comme gameplay. Moi, j'aime bien. Ok, no invade. Bah, no invade, désolé les potes. Désolé. Je baisse juste un petit peu la musique, je pense que c'est fort. Voilà, là, on va être bien. Non, bah à la limite recul, on n'est pas là mon poteau. Donc là on est toujours stock plat 5, ouais je sais. T'es bon, tu montes, ça a pas marché avec moi, apparemment je suis mauvais, c'est pas grave. Là on est à 3 wins de suite, donc on est assez content. Mais par contre on a un MMR de merde. On gagne du plus 15, on perd du 15, donc c'est pas top. Mais c'est pas grave, on va tenter de monter petit à petit comme ça. Oula, la caméra lock, j'aime pas trop ça. Nice. Non, mauvaise idée. Ça passe, c'est cool, mais ça m'étonnerait. Je sais pas. J'ai un beau petit skin sur Diana lunaire. Moi j'aime bien le DS lunaire là, je sais pas. Oh yeah. On n'a pas d'AP. Ça c'est pas top. Moi j'aime pas trop le nom AP. Mais bon. Enfin, si. On n'a pas d'AP sur les lanes. Moi j'ai pris Diana pour avoir de l'AP justement, mais j'aurais préféré pas Diazo au mid. Après, il peut carry. On va lui dire merci, même si c'est pas un pool de génie qui nous a mis. J'aurais mis un petit peu plus. Hop là. Bon, allez, follow monte hein, sur Twitter, YouTube aussi. Ça fait plaisir, les potes. On va essayer de devenir un grand. On a du mal. Bon. On va mettre un deuxième point dans le Z après. Pour clean et tank un peu plus facilement la jungle. Après on va max le Q tranquillement. Panthéon contre Mundo, je pense que le Panthéon a l'avantage early. Après late game, je suis pas sûr du tout. Panthéon c'est assez chiant lane quand même avec son Q. Mid lane ça se passe comment? On ferme tranquillement. Nice, il l'a eu. Kabuli le dieu. Ouais, tu te calmes direct mon pote. C'est nous les dieux. C'est Juani Jungle, j'avais eu envie de prendre ces Juani. Et elle la pique, c'est dommage. Ça aurait été tanky et pas mal de CC quoi. C'est pas grave. Parti sur la Diana. Diana c'est sympa aussi. Le problème c'est qu'on a Ezreal et c'est. Enfin. On est late game plutôt et. Mais eux late game ils ont une compo mon pote. Ils ont une compo, ça va être compliqué. Le bon décret. Panthéon a été nerf un peu, donc je sais pas pourquoi il joue ça, mais écoute. Si je sens confiant, pas de soucis moi. J'aimerais bien faire une petite 4ème win dessus parce que là on a 83 wins pour 91 lose, donc c'est assez chiant. Enfin, comme je vous ai expliqué, on a les mêmes merdes de merde, donc même quand je fais du plus 20, ben malheureusement je perds 20, donc c'est pas top. Moi je pense qu'elle est topside. Qu'elle a commencé blue, son combo doit être pop, voilà nickel. On va mettre une petite ward là. On va lui voler tranquillement ça. Si on peut même lui voler les loups, ça serait pas mal avec le smite. Quand je backerai, je crois que je vais monter le son un peu du jeu. Parce qu'on entend pas trop. On entend trop la musique, je pense. Hop là, on prend un point dans le. Oulolo, Yasuo mid a eu fortement de la chance. Hop là, on se met tranquillement les loups. Bon, c'est pas mal ce qu'on fait là. Le vol sa jungle. Hop là, on va lui laisser un petit cadeau. Nickel. Ouais, bah. Hop là, on le prend. Elle est là, ça sert à rien de lui prendre, de lui laisser un petit cadeau comme j'ai dit. Parce que vu qu'elle est là, elle va le récupérer directement. Donc ça lui fera à rien perdre du tout. Donc je récupère 16 gold de plus, c'est pas dégueu. Bot lane c'est even, le mid se fait pouiller au niveau du farm. Déjà ça c'est pas top, on va baisser un peu la musique là. C'est fort. Hop là c'est mieux, j'espère que je suis pas mort dans la jungle. Ouh, ben. Hop là on va back tranquillement. On va rush l'item bleu et après on va partir sur le feu follet éthéré, super, bon nom de merde là. Partir sur des bots, une petite pink ward. Et on est bon. On va aller faire les. Oula. Dieu. Mignon.
Là, je lui dis de focus sur son farm parce qu'il se prend déjà 10 creeps en 5 minutes, c'est pas top. Donc, il commence pas à essayer de décaler, il se concentre. Maintenant qu'il vient de le faire jouer, c'est pas top. Ah, oh. Il doit être archi mal, le pote. Il doit être archi mal. Domingo. Domingo. Et non, c'est pas moi. Bientôt, peut-être, un jour, hein. Qui sait. Le bon flash dans le mur. Est-ce qu'il a du flash dans le mur, le Panthéon, je pense. Ah, tiens, ça, c'est gentil, ça. Une petite lance comme ça. J'ai rien demandé, ça fait plaisir. Hop là, bon clean tranquillement. De toute façon, Diana, avant le niveau 6, tu peux pas vraiment gank quoi. C'est un peu le problème. Mettre une pin cord là. Mid 6. J'ai besoin du 6 là pour gank. Hein. Diana sans 6, ça sert à rien. Sage là. C'est quoi cette zone? C'est l'île de Panthéon. Lol, j'avais pas compris. On va récupérer le 6, on va aller sur la mid lane, je pense. Parce qu'un Mundo avec son 6, on fera pas grand chose, je pense. Pas vraiment le burst, quoi. Make back quand je gank. Je vois de la lane, hein. Je vais récupérer pas mal de stun, hein. On a vu ses juniors aller sur son bleu, là on va partir sur le red tranquillement. Le problème c'est que tout est... là c'est dur de gank en fait, hein. C'est un Lucian. À moins que le hook passe quoi du trash. Ah merde, je suis con, j'ai pas mon. C'est pas grave. Je sais pas si vous savez, mais sur Diana, quand on place le Q en fait, ben, on peut R et ça reset pour la pute. Voilà. Voilà, je suis mort. Yeah, je suis mort. Putain. Qu'est-ce qu'il foutait là? Ah, je suis archimad. Archimad, j'aurais dû smite flash out direct. Va pas mourir toi s'il te plaît. Ce serait cool. Bon, ça va être compliqué comme game, hein, mes lanes qui gagnent pas. À part la bot lane qui est bien quand même. Ça risque d'être assez compliqué. Putain, je perds le blue buff. Ça c'est pas top du tout. C'est pas top du tout. Je sais pas trop où gank là. On va essayer de décaler bot side. C'est compliqué comme lane à gank. On va essayer quand même. On va essayer. Ça c'est un peu con. Ça c'est un petit peu con, mais bon, c'est pas grave. Ça fait flash les deux. C'est dommage ça. Le mec dit qu'il s'en fout. C'est un peu con quoi. C'est un peu con. Que clairement une Diana avec des kills, c'est un petit peu monstrueux quand même. Mais bon, c'est pas grave. Okay. On a fait flash les deux déjà. Je vais revenir.
Pas de smite ça parce que c'est vu à mis un peu partout je crois. Bah nickel. Qu'est-ce qu'il perd trop d'XP là. Ah lui il lutte comme ça là. Il a eu tout. Ah il est fini. Ah là, c'est pas dégueu. Bien joué. Well play. Hop là, moi je récupère l'XP, c'est pas mal. Il faut un kill mid. Bon, mais c'est pas mal, c'est assez serré quoi. Ah, viens pas me faire chier, s'il te plaît. Nice. J'ai eu peur qu'il me balance une petite hache là, histoire que je rigole pas, ça m'aurait un petit peu figé. J'aime bien partir sur ça, moi. La Dawn Nashor, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Dawn Nashor, exactement. Oula, oula. Pas mal, joli temps de la cutting. Oh, c'est le grab pass. Dommage, je l'avais pas. Ouh la luck. Un nul. Oh, ça passe. Oh là là, le dieu. Le dieu, le dieu. Well play. Ah, ça c'est génial. Bien joué. Ah, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Donc, ça doit être ward. Si on pouvait faire le drag, ce serait cool. Ah c'est une pause ça qui dit. Enfin un bel ADC à support, ça c'est bien. Bonne mentalité de l'équipe, no smite on va dire quand même on l'annonce. Allez Simon aidé jusqu'au bout, ça c'est bien fait. On va prendre ça vite fait tranquillement, on a le golem. C'est bon pro. Je l'ai tant que quoi. On va aller la déwa. On va aller la déward, comme ça il a pas de vision et il est un petit peu si de loin. Oh, c'est pas mal. Ah non, ouf, ça va. Super ça. Well play. Super, ça c'est cool, c'est cool. Il a raté le Q, on a eu peur un petit peu mais. Vite que je clean mon bleu histoire d'aller gank le mundo là. Stabs, hein. Les maths on a oublié ça hein. Depuis le bac c'est fini. C'est fini les maths. On va aller prendre le raid, on va essayer d'aller aider la bot lane. Parce que bon, c'est un Ezreal. Même s'il a récupéré un doublé. Oula. Apparemment c'est pas grave, on a vu la Sejuani bot side, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, ils l'ont vu, ils lui ont fait perdre du temps. Je pense qu'avec moi on aurait pu les démonter tous les trois, hein. 3 contre 3 je pense qu'on gagne. Ouais, c'est bien le monde est un peu au fond par contre. Le panthéon est au fond. Blue.
Son laser il... MB. Par contre, je sais pas comment le créer chez moi. C'est dommage. Non, stop, grid. Guys, pourquoi vous gridez? Ça, c'est dommage. Bon, j'ai chié dans la colle, moi, clairement. Je dis pas le contraire, mais là, ils ont un petit peu exagéré. Je sais pas comment le trèche a pris l'aggro là. C'est pas dégueu ce qu'on aurait fait. Hein. Si le trèche n'avait pas pris l'aggro bête, moi, je sais pas pourquoi il attend. Énormément d'XP là, au mid je vais essayer d'aller hold ça parce que c'est bête de gâcher tout ça d'expérience. Donc là on a récupéré un peu d'expérience. Putain, trop me souris. Non, mais rampe pas. N'y va pas. Le premier Drake, il est dans 1 minute 19. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il a été pourtant. C'est bizarre. Je vais encaisser Warden. Warden. Si on pouvait le tuer au mid, ce serait cool. Super là, moi j'ai fait bump les deux et en plus il les a fait bump. Il fait un bon counter gank. Bon, je vous avouerai que je savais pas du tout qu'elle était là. Je pense qu'on peut push un peu là, parce qu'ils sont 3 bots et on en a déjà 2, donc personne. Écoutez, super, ça ils font un kill. Parce que, ouais, il est mort. Il n'y a pas d'autre mort, c'est bon. Prendre deux tours, nous. Ok, on prend deux tours mid, c'est assez énorme. S'en sort, c'est cool. On récupère un kill. Super, ça a bien joué les gars. C'est pas dégueu, on a réussi à tempo avec le E, le Z. Ça c'est bien fait. Le Godrake. Moi c'est mieux de faire le Drake là. Ouh, ah non c'était Yasuo. Je me suis dit oh putain il y en avait un là pas. À pick up facilement. No smite. Ah si on pouvait gagner, ça serait cool. Ça serait cool, ça ferait une nouvelle vidéo des YouTube hein, parce que ça serait la deuxième les potes, la deuxième. On va tenter. On commence. Faut bien un commencement à tout hein. Hop là, nickel. On va back, on a 2900 donc 3000 quoi. C'est pas du tout Ken Rush Baron. Ok. Pink. Je l'ai déjà. J'ai déjà ma pink ward qui est là-bas. On a déjà 45% de CDR. Je pense qu'on va faire contre les CC, c'est pas mal. On va partir sur un petit Zonia. Hop là. Ils ont quand même pas mal de dégâts. C'est à moi, c'est par contre mon pote.
pas, on peut pas. On fait 4 du temps. J'ai le flash pour être sûr de pas louper. Nickel, super. Je voulais être sûr de mettre mon Q spell là, donc j'ai flashing comme un gros porc. I back. Ep, Zem, fresh. Mais j'avais besoin de back, j'étais trop low. Ça revient à rien. J'ai flash plus parce que. En fait j'avais besoin de remon nul pour niquer le. Comment il s'appelle ? La sèche juste après en fait, tout simplement. Je voulais pas m'enquiquiner. Fucked up le move, bêtement. Économiser mon flash et pas m'en sortir, rien du tout. Enfin, j'ai fait le bon choix. Je vais rush les 1250 là pour avoir une grosse baguette. Après je pense qu'on va fight au niveau du Nashor. On mettre la pression au niveau du Nashor, faudrait une pink ward de plus. Buy some pink guys please. Parce qu'il y a ma pink et celle de Thresh qui sont bien placées. Need back. Don't fight 4 pink 5 please. Ne fightez pas, ne fightez pas. J'ai besoin de back là. Ce serait un peu con de fight baitement. Je vais prendre ça, on a besoin de la vision. Ça fait été là. Le problème c'est que en fait on est en avance là, on est devant eux largement. Le problème c'est que si on fucked up le move, on peut largement se faire puis ils ont tellement de CC que c'est un peu chaud quoi. Ah, bah, là, c'est typical ce qu'il faut pas faire là. Let's go. Oula, je vais passer du mauvais côté. Bon, moi il faut que j'aille top. Hein. Clairement, il faut que j'aille top. Don't fight. J'ai besoin de def là. Vous avez vu tous les creeps, on perd trop d'XP. Le Pandion qui décale, c'est bien fait ça. Il a mis un stoppage bot lane. C'est cool. Et quelle heure juste 13h52. Moi j'ai cours à 15h quand même. Ah, c'est con là, on perd la tourelle bêtement. Le ping est bas, qu'est-ce que je fais les gars? On perd trop d'XP. Je pensais que le Pandion il décalait. 20 000. Trop con ce qu'il fait là. I split. Faites surtout pas. Je perds un TP. Là il a flash. Bon moi je suis mort 100%. What? Oh, le mec il tilt complètement là. C'est un gros bouffon. Ah non, me dis pas qu'il a FK. Ah, ça serait. Bon, on va laisser passer ça. Shield, dude. Je vais m'excuser parce que. Ok, ok. On va s'excuser, on va faire le soumis, écoutez, parce que bon. J'aimerais bien la gagner celle-là et c'est un gros tilter.
Bah, lui c'est raid, attention. Groupe mid, guys. On va essayer le groupe mid, mais moi je pense que c'est le meilleur choix à faire en fait. Ah, y a le Drake là. Y'a le Drake, on va essayer de fight au Drake. Oh non, meurs pas. Go fight, guys. Ah, j'allais avoir mon Z. Dommage. On va... Oh, mais j'avais mon Zonia. J'avais mon Zonia. Désolé les potes. Heureusement que je suis pas en live parce que là je verrai le chat. Oh, MG, yo Zonia. Oh là 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 là. Tu pues, t'es une grosse merde. T'as pas Zonia. Ouais, je pue. Je suis désolé les gars. Je suis mauvais. On va partir sur ça parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Mais comment il s'appelle? Yasuo? Guys? Ouais, je préfère. Il fait pas mal de dégâts le Victor. Et la Sage aussi, elle en fait quand même un petit peu. Hein, malgré qu'elle soit full tank, ça fait des dégâts. Ah, il a pris un mauvais ult là. Le Yasuo il s'est fait one shot tout simplement, il a rien fait du fight. En fait, j'aurais préféré qu'il reste derrière. J'ai raté mon smite. Cancel, je pense. J'ai réussi à cancel. C'est pas mal ce que j'ai fait. Bien joué, Nashor. Venage là, pourquoi? Ils ont aucune vision. Ah, j'ai réussi à rater ça. Moi. Bien smite. Oh, le bon ult. Alors coupe la route, oh, le stun. GG, well play.
Mais voilà, on a gagné, GG les gars. Ah, ça fait plaisir là. Un petit contrôle 6 pour la fin. Hop là. Un petit Zonia. Ah bah non, pas de petit Zonia. Hop là, GG. Bah ça fait plaisir de gagner hein. 4 games de suite, 4 wins. Ça, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné autant de games de suite hein. C'est peut-être notre série de wins. On va tenter, regardez, plus 16. Ça c'est dommage, plus 16. Plus 16, mais c'est pas mal. 62 points, 84 wins pour 91 lose. On commence à remonter là. 76 points à cause de 76 points. Je pense que... Bah non, il faut faire encore 3 wins de suite. 3 wins de suite, il me faut encore. Bon, c'est pas grave, on va tenter. On a mis quelques dégâts quand même. Hein. C'est pas mal ce champion et les dégâts subis. Bah on tank le plus de la team quoi. On met quand même pas mal de dégâts, on tank le plus. Donc c'est assez sympa. Assez sympa, le Lucian n'était pas présent en face. Hein. Bon, bah ça fait plaisir, plus 16 points. Bientôt niveau 5, encore un petit peu. Mais c'est cool. Bon, merci d'avoir regardé la game. Je mettrai le lien de ma chaîne Twitter dans la description. Pensez à aller me follow sur Twitter pour voir quand ça sort les vidéos. À me follow sur YouTube. Et merci d'avoir regardé les gars. Ciao.